Carnage! Et je dirais même Venom dans Spider-Man. Donc, salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est BB300. Et aujourd'hui, on se retrouve avec mon petit ver de terre qui se nomme Alain Culé. Et qui va essayer de faire un carnage total avec Worms, Weapons of Mass Destruction. Ooh yeah! Ouais, ça fait plaisir, toujours ces titres à rallonge. D'ailleurs, c'est marqué, c'est Worms WMD ou WMD. Ça va un peu plus vite. Bon. On va essayer justement de faire un petit carnage, une petite vidéo de gameplay de ce Worm. Ah celui-là, ah oui, ah oui. Ah, ça... ah bah lui il va bien morfler. Ah bah ouais, ouais, moi je le sens bien. Comme ça. Et boum. Voilà, allez, va dans la mine. Va aller voir Olivier Mine là, boum. Magnifique, parfait, vous avez eu ça. C'est absolument incroyable. Et oui, on se retrouve donc sur ce fameux Worms WMD, donc comme je vous dis, une petite vidéo de gameplay, parce que, alors je suis un peu fatigué, je dois bien vous le reconnaître, je dois bien le reconnaître, pardon, un peu fatigué parce que je reviens donc du Dijon Seiten, c'était comme ça d'ailleurs, il faut le dire, il y aura certainement une petite vidéo qui va arriver pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé durant ces 3 jours là-bas. Alors ce sera pareil, une vidéo en grand n'importe nawak total, hein. Ah ouais, on va le dire clairement, ça va être du gros n'importe quoi. Mais c'est ça qui est bon aussi, c'est vraiment de faire ça de manière très, bah voilà, très cool. C'est un peu ce qui va se passer avec cette vidéo. Faut dire que, comme je vous l'ai dit, je suis aussi un petit peu fatigué. J'ai mal à la tête, donc je vais essayer de vous présenter vraiment un petit peu ce jeu comme il se doit. Tout d'abord, bah, vous le voyez, retour des Worms, retour à la 2D. Mais retour à la 2D, pas dégueulasse. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait le dernier en date que moi j'ai fait, c'était Worms Revolution. J'ai pas aimé, voilà, j'ai pas aimé du tout, je l'ai trouvé assez assez dégueulasse, assez... Déjà, ah, je pensais qu'il allait se manger le truc dans la gueule, ah pas mal. Et puis du coup, bah ouais, il monte dans l'hélicoptère. J'avais pas trouvé Worms Revolution vraiment bon, je trouvais que le gameplay était assez lourd. Le système de classe était pas une si mauvaise idée, mais j'ai pas aimé le design. J'ai vraiment pas aimé le design du tout, donc du coup, c'est vrai que j'étais un peu... Ouais, mi-figue, mi-raisin. Alors, là, regardez ce qu'on va faire. C'est parti, ouais. Merde, c'est mon père. Putain, c'est mon pote. Mais quel con. Oh, mais quel boulet ambulant. Mais t'es sérieux. Allez, 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 allez. Oula, 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 oula. Bon, c'est bon, je me suis posé. Et j'ai fait n'importe quoi. Ah, bordel de merde. Mais du coup, c'est vrai que je n'attendais pas spécialement cet épisode. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Ben, le feeling que j'ai avec ce jeu est quand même plutôt pas mal. C'est vrai qu'il est quand même plutôt pas mal, plutôt intéressant. Alors, on va retrouver vraiment ce qui fait la part belle aux Worms, hein. Évidemment, ça va être les différents modes de jeu, les armes toutes plus au faux que les unes que les autres, hein, que ce soit le bazooka, la grenade, la sainte grenade, l'âne de béton, Armageddon. Putain, Armageddon, il est là. Ça fait plaisir, et il fait toujours autant de dégâts. C'est ça qui est impressionnant. Et là, d'ailleurs, vous le voyez, hein, les petits dégâts et tout qui se font, en fait, au niveau du décor. C'est un truc que j'ai beaucoup aimé de ce jeu, c'est en fait quand tu exploses entre guillemets une partie du décor ou quoi que ce soit, t'as des morceaux de décor qui tombent dans l'eau. C'est super bien foutu, je trouve. Alors je sais plus honnêtement si c'était déjà le cas dans Worms Revolution, j'avoue que j'ai un gros doute, mais je trouve que là c'est vraiment bien fait. Voilà, c'est vraiment bien foutu, ça a vraiment un... Oh non, la dynamite, oh t'es sérieux. Bon, ça par contre, ça c'est pas cool. Ah non, c'est bon, il se barre. Oh, oh, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, funeste. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, bien joué. Ah, bien joué. Je pense que là... Ah non, je suis encore vivant, donc tant mieux. Et vous l'avez donc remarqué, donc au-delà, encore une fois, de ce côté décor qui... morceaux de décor qui tombent dans l'eau et tout ça, qui est plutôt bien foutu. Eh bien, on a des armes de destruction massive, et c'est notamment le cas des tanks, des espèces de robots que l'on va avoir un petit peu à droite, à gauche. Donc c'est très très impressionnant, forcément. Parce que du coup, ils font vraiment hyper mal. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être d'abord prendre un truc. Autre chose qui est vraiment sympa, c'est que vous pouvez fabriquer en fait des armes à n'importe quel moment, à partir du moment où vous avez les objets pour. Donc je trouve que ça, encore une fois, c'est une très bonne idée aussi. Donc pendant que le tour, par exemple, de l'ennemi se fait, bah, vous pouvez fabriquer un objet. Bah c'est cool, c'est quand même une super bonne idée. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais mettre la dynamite là. Alors, saute, saute, saute. Voilà, mets-toi bien, voilà. Voilà, c'est parti, ressaute. Vite, casse-toi, casse-toi, vite. Voilà, dans le tank, et je me barre. Et voilà, non. Et là, on a fait un petit rebond qui fait plaisir.
Et on l'a eu. Eh ben, c'est magnifique. C'est ça aussi qu'on va retrouver dans ce Worm. C'est vraiment, encore une fois, ce côté très marrant, très loufoque, avec des musiques qui sont bien, bien pensées. Encore une fois, vraiment des musiques. Musiques d'ascenseur, certes, mais qui ont vraiment un style. Je me rappelle encore une fois de ce style dans Worms Mayhem qui était vraiment bon. Là, on retrouve un petit peu justement ce style-là, avec quelque chose qui fonctionne bien. Les voix françaises sont là. Les voix françaises sont là et c'est cool, punaise, de les retrouver, ça fait vraiment plaisir. Justement, pour ma petite équipe douchebag, c'est quand même une bonne chose. Alors vraiment, là-dessus... oh là là, sainte grenade. Oh, qu'est-ce qu'il y a à faire? Oh là là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Attention, attention, mesdames et messieurs, aurons-t-on le droit à Hallelujah? Ah, l'enfoiré! C'est un punaise! Ah, bah, bravo. Bravo, Bofins. J'ai envie de dire, c'est beau, Fins. C'est magnifique. Non, mais là, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très bien. Non, c'est bien joué. Alors là, par contre, si les trois sont là, je m'en fous. Hein. Si lui bouge pas, je vais essayer d'avoir les deux. Hein. Tant pis, je suis dans le tas. C'est pas grave. Là, d'ailleurs, est-ce que je peux fabriquer un truc qu'est-ce que je peux fabriquer? Missile autoguidé. Ouais, allez, missile autoguidé. Voilà, donc là du coup j'ai enclenché le truc. Parfois vous allez en fait récupérer dans le niveau des petits objets qui vont entre guillemets, c'est, je sais pas si on va le voir, c'est ces trucs là, vous voyez là en bas, c'est marqué 0, 2, 3, 4, en fait c'est les objets à posséder pour pouvoir fabriquer les objets. Donc c'est bien, c'est une bonne idée je trouve, que comme ça au moins on n'attend pas. Oh putain, je suis super bien placé. Merci, donc l'arme est prête, c'est très bien, mais je vais plutôt utiliser... le concasseur. Ouais, parce que là, je peux pas faire grand-chose, de toute façon. Je peux pas bouger. Alors, je vais concasser qui? Putain, et si je le mets, là? Allez, on essaye. Allez, c'est parti, on essaye. Tant pis, je suis dedans, mais c'est pas grave. Mais si je peux faire du carnage... Oh, ah, c'est bon. Ah non. Peut-être... Ah oui, yes! Ah, ça, c'est trop bon! Voilà, c'est ça que je voulais. Et là, bam, réaction en chaîne. Yeah! Punaise, regarde ça! Ça, c'est bon, ça! Ah, voilà, ça fait plaisir. Et bah, c'est ça que j'aime dans Worms. C'est vraiment, parfois, tu fais n'importe quoi. Et là, t'as vu, j'en ai marre. Et bah, j'en ai marre, il a fait un doublé. Voilà. J'en ai marre, il y a son pote. J'en peux plus. Et ça, c'est cool. Ouais, j'ai donné des noms bien dégueulasses à mon équipe. Donc ça fait plaisir. Bon, du coup, il en reste... alors, il reste lui et lui. Logiquement, si je balance un petit missile autoguidé, ça devrait se faire. Donc après, vous pouvez zoomer vraiment à fond hein, pour bien voir le truc. J'aime beaucoup l'esthétique du jeu. Vraiment, j'aime beaucoup l'esthétique du jeu. Je trouve que les Worms ont vraiment une gueule. Elle passe très très bien. Encore une fois, je le trouve vraiment plus joli que Worms Revolution. Encore une fois, Revolution, j'avais vraiment pas aimé le design. Je le trouvais vraiment dégueulasse. Oh putain, oh, ça sent pas bon. Oh punaise, mais... Bon, ça... c'est le défaut traditionnel des Worms. Là, on l'a vu en plein dedans. Hein, en plein dedans. C'est l'intelligence artificielle qui a tendance à très, très, mais alors, très bien viser. Ah là, on va pas se mentir. Ah, ils visent vachement bien, les saligots. Ah, punaise, ils visent vachement bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que... je peux pas passer de l'autre côté. Ah, putain. Si je passe comme ça... Non. Si, ben voilà. Mais regarde ici. Cette maîtrise dans le gameplay... Alors, on va balancer un missile autoguidé. Alors, le but serait peut-être de faire lequel? Peut-être lui. Hein. Ah, quoique. Ah. Ouais, plutôt lui. Là, attention. Alors, faut bien viser. Mais non, pas la touche de saut. Oui, ça arrive. Hein. La touche de saut au lieu de la touche d'action. Et je peux vous dire que quand ça arrive, vous êtes bien dégoûté. Tout le monde l'a eu, ça. Zboum! Zboum! Et voilà, est-ce que ça fait du dégât? 50 points de vie en moins? Yeah, c'est bon. Ouais, alors après, vous avez toujours les modes classiques, hein, je reviens vite fait là-dessus, mais vous avez un mode aventure qui est là. Alors, pas très intéressant, malheureusement, le mode aventure, ça reste toujours très, très, très basique, sans aucun truc particulier ou quoi que ce soit. Bon, t'enchaînes juste les missions et tout ça. Alors, t'as quand même des objectifs à faire. Hein. L'objectif principal, souvent, c'est détruire
tous les worms. Et ensuite, tu as des objectifs secondaires. Par exemple, tuer dernier avec l'âne de béton. C'est notamment le cas dans une des missions. Par exemple, en faire tomber un dans l'eau ou les tuer avec que l'hélicoptère ou quoi que ce soit. Voilà, ce genre de choses. Donc c'est pas mal. Putain, s'il arrive à le mettre... Non, ça va, ça me rassure un peu, parce que là, je me suis dit, non, hein, ça va bien, Garchon, hein, on va te calmer un petit peu, là. Bon, du coup, je suis là, je vais sortir de mon tank, et je vais bah, je ne sais pas. Ah, le raid aérien, cool. Je peux pas faire un âne de béton? Ah, putain, j'ai pas ce qu'il faut. Bon, tant pis, le raid aérien, hein, la facilité, la traditionnelle, c'est pas grave. On s'en fout! Le raid aérien! C'est vraiment trop génial! Ah mon dieu! Voilà, ça c'est fait. On n'en parle plus. En balai, c'est pas ça. Oh non, il est pas mort! Oh, t'es sérieux, putain. J'y ai cru en plus. Bon, vous avez vu donc aussi que donc les hélicos, les tanks, comme je vous l'ai dit, qui rajoutent vraiment de la puissance de feu. Mais qui peuvent se détruire si vous êtes dedans, donc attention. Là, dans les modes de jeu, quand je vous ai dit, donc le mode aventure, vous avez un mode défi également qui est présent. Un mode entraînement, si vous connaissez pas le jeu, c'est toujours un plus. Si vous voulez vraiment vous en être dedans et faire en sorte que ça fonctionne bien, quoi que ce soit, donc c'est tant mieux. D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir le nom de mon équipe? Je me demande si... hein, je pense pas qu'on puisse le voir. Ah non, je pense pas qu'on puisse le voir. Bon, c'est pas grave. Peut-être qu'on le verra juste après. Ouh là là, attention! Oh putain, bien joué! Bravo, bien joué! Non, bravo! Bravo, non! Non, quand il y a du skill, il y a du skill, faut le dire! Voilà, faut le dire! Par contre, mon cochon, tu vas morfler comme il faut. Alors, donc, j'ai pas le super mouton. Ouais, vous avez des nouveaux objets, hein, évidemment, qui sont ici présents. Le cadeau indésirable, je crois pas qu'il y était. Le mouton voltigeur non plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le de jetpack. Voilà, nickel. Hop, putain, la mine ne s'est pas enclenchée. Il est là. Voilà, il est là. Et qu'est-ce que je vais faire, à votre avis? Qu'est-ce que je vais faire, à votre avis? Alors, la banane ou la sarde-grenade? J'hésite. Bon, allez, la banane, putain, et avec de la chance, je vais merder. Non, t'es sérieux? Oh non, mais t'es sérieux? Mais non, mais non! Ah, si, quand même, c'est bon, je l'ai eu. Oh, yes. J'ai failli faire n'importe quoi. Franchement, regardez ça. Voilà, le rebond fatal qui tue. Mais c'est ça aussi, la force de Worms. Voilà, c'est vraiment de se dire, il peut se passer n'importe quoi. Les retournements de situation, de toute façon, sont légion, hein, dans ce genre de jeu. Et c'est ce qui peut arriver. Et donc, j'ai gagné. La team douchebag a gagné. Et ça, ça fait plaisir. Donc, voilà. Alors, je voudrais vous montrer quand même mon équipe. La douchebag team. Alors, quitter ce salon, ouais. Personnalisation. Je voudrais quand même vous montrer ma douchebag team. Voilà, elle est là. Donc, nous avons un inculé. Nous avons son frère, Roland. On a Colleur de touche, qui est là. On a Jerry Golet, qui est aussi présent, avec Jean Neymar. Et son pote, Jean-Classic. On a Julie Bidot et Atsonomi qui compose mon équipe de joyeux lurons. Voilà. Donc ça fait plaisir. Bref, bon, vous avez compris que oui, c'est la team gros beauf. Hein, on va pas se mentir. C'est la team gros beauf bien dégueulasse. Mais quel kiff. Mais que c'est bon. Alors par contre, je suis un... Ouais, c'est un peu mon regret dans le jeu. Ah, y a pas... y a pas le warm spot, quoi. Putain, y a pas le warm spot. Alors par contre, vous pouvez toujours, après, avoir voilà une base de chiffres, etc. pour avoir une petite taille, par exemple, d'île ou quoi que ce soit. Par exemple, on va faire une île seule avec proportion de bâtiment désactivée. On va générer... Ah, qui c'est qui m'appelle? Oh là là. Bon, attendez, j'arrive. J'arrive, je mets en pause. Comment on met en pause déjà? Bon, désolé, hein, je pour cette petite coupure, hein, excusez-moi, j'ai été appelé par Charlize Theron qui voulait absolument que je la voie juste après, avec Kate Moss pour Gang Bang. Donc, alors, on va générer, donc voilà, vous pouvez toujours générer comme vous le voulez, pour faire en sorte de faire quelque chose quand même qui soit plutôt pas mal. Au niveau des décors, ça va, il y a vraiment quand même pas mal de changements
assez conséquent, donc c'est plutôt cool. On va par exemple faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une IA, hop, et on va commencer, puis de toute façon, on verra ce que ça donne. On va bientôt se quitter là-dessus, de toute façon, honnêtement, Worms, après, c'est toujours la même chose, donc il n'y a pas de grand bouleversement et de grand changement. Néanmoins, je trouve le jeu vraiment très agréable et joli. Je trouve que il y a vraiment un bon feeling au niveau du jeu. Pas de Worm Spot, ça c'est un peu dommage, parce que moi j'aimais vraiment le Worm Spot. Je trouvais que c'était vraiment quelque chose de super sympa. Il n'y a pas de... on a toujours les mêmes problèmes avec l'intelligence artificielle. Ça aussi, c'est un petit peu le bas qui blesse. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'au final, le mode aventure, bon, ça consiste toujours à faire exactement la même chose. Yeah, allez Einstein. Bon, alors ça n'a servi à rien du tout, je voulais qu'il rebondisse, mais hein, ça n'a pas marché. Pas grave. Et voilà, on sent qu'encore une fois, on essaye de revenir un petit peu dans ce qui se faisait avec Worms Armageddon, que je trouve génial, hein, clairement. Worms World Party, ces jeux-là qui étaient vraiment bons à l'époque. On revient sur une bonne dynamique. Moi, c'est ce que je retiens. Il y a encore des choses à améliorer, mais la dynamique est quand même plutôt intéressante. Le jeu est un petit peu cher, je trouve. Il est à 30 balles, il me semble. 30 euros, ça fait un peu cher. Quoi. Enfin, la version boîte, hein, je parle de la version boîte console. J'ai pas vérifié sur PC, mais je crois que sur PC, c'est exactement le même prix. Oh, pas mal. Ah, j'ai pas pris mon équipe de douchebag. Oh, fait chier, parce que là, c'est Purple Light et Jules. Putain, Jules, il est encore là. Mais il est partout, Jules. Ah, mon Dieu. Bref, en tout cas... J'ai un bon feeling, moi c'est ce que je retiens. Bon feeling général au niveau du jeu. Oh le petit doigt. Oh bah, eh ben, écoutez mesdames et messieurs, on va se quitter sur un doigt. Voilà, on va se quitter sur un doigt parce que on le sait tous, mettre un doigt, c'est trop génial. Allez, merci en tout cas de m'avoir écouté pour cette petite vidéo sans prétention et assez foufolle, assez loufoque. Eh ben on se dit à bientôt, portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse. Et vive les jeux vidéo, salut tout le monde, et à la prochaine, ciao ciao. Hey, le petit doigt comme ça. Attention. Mais non, putain, mais quel con. Putain, quel con. C'est pas possible, bordel.